Messieurs, dames, la famille, la société, toutes amis, frères, accès, compatriotes, mayo, et tout collaborateur qui connecte nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous tous, bienvenue sur la plateforme là. Namiko, amis, nous serviteur, nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là à la ronde, badé, nous comptons à côté. Jeudi à ce mardi, nous vivons mardi 1er août 2023. Moi, j'espère que nous t'ai passé une excellente nuit. Nous t'ai bien dormi en bas protection. Bon Dieu la vie, ancêtres et toutes nos Guinéens. Et toute équipe là, nous déjà motivés et mobilisés pour nous porter pour toute nouvelle, toute actualité qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Nous pourrons retransmettre pour le journal Créole Méga Matin. Je nous tous nous connaissons, Méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien sous la tête béni. Avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Rapidité, Radio Méga, pour Radio 1, l'IFS 5. Du studio Pétionville. Nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga en toute ville Haïti. En même temps, on souffle de là. Mardi 1er août 2023. Gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la deuxième parette journal là pour matin. Hein. C'est deuxième parette journal là pour ce maintenant, mais c'est premier parette journal là pour mois d'août. Déjà, toute équipe Radio Méga, c'est au bon mois d'août sous antenne Gros Radio. Radio Méga, dans micro-présentation, moi-même, Jean-William Sever avec Daniel Daniel, touche technique Marcel Joseph. Bonjour Daniel Daniel, bonjour Marcel Joseph. Bonjour Jean-William Sever, bonjour Masso, bonjour amis, tout partout qui n'a quatre mots là, bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales titres n'ont bien pour développer dans le journal la matière nouvelle la tombée, tant qu'on bombe les radios. Qu'est-ce qui a obligé camper programmation normale ayant le dire pour annoncer nouvelle la mode directrice programmation yo Liliane Pierre-Paul yo icône yo mapou na bataille pour démocratie dans pays d'Haïti. Premier ministre Ariel Ri qui pas prêt pour réagir dit après nouvelle ça avec tristesse. Liliane te yon icône yon vont engager une figure pipi qui pi populaire dans la presse haïtienne dans pays. C'est un gros choc pour professeur Victor Benoît yon nan témoin bataille année 4 contre dictati, mette ben quoi pays en perdu, yon an pi fidèle petit lion. Ça pas prend pile temps pour différents secteurs te débarqué dans Radio Kiskeya pour venir poter si pour yo. C'était cas pour ancien sénateur Yuri La Tortue, Tolbert Alexis, ancien secrétaire d'État sécurité publique, Eddy Jackson Alexis, qui quoi Liliane irremplaçable, il était quoi l'a toujours été vivant. Le secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé tout un pays membre Nations Unies pour rejoindre Kenya pour rendre possible. Force multinationale ça pendant le préciser force sa pape sous couverti à organisation Nations Unies. Jean-Willem Sevagayen, la police qui confirme l'arrestation jeune artiste Bourik de la Talaye avec 5 autres individus qui étaient accompagnés ses membres dans la population qui dénonçaient Messieurs Sayo comme membre actif gang village des dieux selon la police. Dans Beladea, la police a arrêté 2 individus, 3 armes automatiques saisies dans le cadre d'opération. La police menait à y aller dire pour combattre trafic d'armes sous frontière Beladea République Dominicaine. Comme ça, tout gagne un laboratoire national qui était campé de travail hier lundi pour exiger libération responsable direction épidémiologique là, docteur Samson Marseille, m'a dit kidnappé depuis quelques temps. Gagne question à éducation, n'a pas pour nous porter pour notre journal, les amis, auditeurs, c'est hier lundi examen officiel NS4 qui a démarré sur tout le pays. Ministre de l'Éducation qui était visité saint lycée Pétionville hier lundi, pas caché satisfaction. Remercier tout acteur qui te rend ça possible. L'esprit Maniga annonce augmentation sous l'agent surveillant, superviseur et la trier cap gagné pour toucher. C'est pour ça que diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin. Pas oublier dans le commencement journal, on a pris direction diverses zones des régions métropolitaines pour nous capables pour week traverser capsule santé, formation météorologique, amis auditeurs. Réprocher, Naptoune. Malheureusement, nous avons poursuivi avec
information dans le journal là, puisque nouvelle là, c'est la mort. J'ai noté annoncé ça dans le titre journal là hier. C'était une bombe sur tout réseau social. C'est de ça qui a parlé. C'était une nouvelle de Liliane Pierre. Oui, tout réseau social, dans tout média, c'est ça qui t'a parlé avec icône ça, et quelle que soit personnalité qui connaît. Mais avant nous venir avec lui, puisque c'est diverses réactions qui gagnent. Daniel, on va aller avec Jean-Michel. Jean-Michel qui fait zone. Bon, malheureusement, nous perdons contact avec Jean-Michel. Mais on va finir avec Moun qui t'a annoncé une nouvelle là dans le journal hier. Pendant bon, programmation, il était presque 4 heures. Mais c'était une tranche d'heure émission. Dimadiou qui passait son antenne radio à Kiskeya chaque jour entre 2h et 4h. C'est directeur général Radio Télé Kiskeya qui a animé l'émission ça chaque jour. Marvel Dandé, c'est le même qui directeur radio a, et pendant l'émission a fait, tu es obligé de camper programmation pour t'annoncer malheureusement triste nouvelle ça. Jean Ondoulan et directrice de programmation radio Kiskeya Liliane Pierre-Paul Moui pendant un journée lundi 31 juillet après une crise cardiaque. À 70 l'année sous tête, Lili était un journaliste militante engagé pour liberté la parole pour la démocratie. Nous pourrons permettre de coûter une courte intervention d'Audley Aurelius, qui est journaliste radio, qui a annoncé triste nouvelle ça sous antenne Radio Mega. Mais avant nous permettre avec ou même amis auditeurs d'entendre l'intervention d'Audley correct, nous pourrons permettre de coûter intervention d'Audley Aurelius, qui t'a pas annoncé triste nouvelle. Le mot journaliste militant engagé pour liberté de la parole, Liliane Pierre-Paul. Une très mauvaise nouvelle que nous avons tenu à partager ensemble avec nous, qui concernait les directrices de programmation, non, Madame Liliane Pierre-Paul, qui, dans le moment de la préparer pour rejoindre Radio, pour venir présenter le journal 4, nous apprendre que les fait en crise. Fatal. Donc, Radio a perdu et directrice programmation l'après-midi, après-midi, 31 juillet 2023, directrice programmation de Liliane Pierre-Paul, et qui malheureusement succombait après-midi avec à cause d'une crise. N'a pas non plus de détails puis devant, mais nous détenus à informer nous toutes que Radio a encore une fois frappé très fort dans l'âme ni dans un trahir. Journée et lundi avec nouvelles arts qui secouent nous toutes. Depuis sous direction générale là, arrivé juste dans l'antipersonnel là. Parce que j'en connais habituellement dans l'heure ça, nous toujours avec directrice programmation non Liliane. Était toujours là pour préparer le journal 4 que nous avons parlé justement dans quelques minutes encore. Mais c'est dans le moment justement la préparer pour venir nous rejoindre nous dans la radio. Nous apprendre que les faits en crise et malheureusement nous perdons. Et je vous dis, nous avons gagné pour nous plus de détails, puis devant, pendant la journée. Même détenu à informer de ça. Nouvelle qui concernait directrice programmation, nous, Liliane Pierre-Paul, qui quittait nous après-midi et succombait à une crise. Et c'était dans le moment d'apparaître pour les rejoindre. Donc, ma faute est campée, on va déjà continuer et rouler les circonstances. On va apporter plus de détails. Puis devant, pour nous toutes, les amis auditeurs de l'autre qui suivent nous et qui tapent dans l'après-midi Liliane pour le présenter le journal après. Nous ne pas attendre les parce que et voir ça s'entraille nous nous perdons dans la joie aujourd'hui. La faute est campée dans mon tunnel.
voilà, voilà, c'était Dodley, Dodley Aurelius qui journaliste en radio Kiskeya. En nous vient avec PM non et Daniel. Bon, tout de suite après nouvelle l'amour Liliane Pierre Paul, réaction yo tombé divers côtés. Gagnant un premier ministre haïtien, les mêmes qui dit l'apprennent avec tristesse et émotion des journalistes présentatrice Liliane Pierre-Paul, qui était pour lui une icône, une voix engagée dans la presse là. C'était une Liliane Pierre-Paul, c'était une journaliste qui est célèbre et populaire dans le pays. Avec famille, proches, confrères, consoeurs, notamment collaborateurs, collaboratrices Lyon Radio Kiskeya, donc qui est touché par nouvelle mort Liliane Pierre-Paul, primatier, le premier ministre haïtien, a adressé condoléances avec tout le monde, nouvelle mort ça a choqué. Oui, non, toute équipe Radio Mega, Daniel, que ce soit PDG nous, M. Alex Saint-Surin, arrivé sous mon kipiba dans Radio, nous dit condoléances avec toute équipe Radio Télé Kiskeya qui prend un gros coup. Nous connaissons Yoté prend un coup tout avec M. Sonny Etienne qui était Youna responsable. Nous avons dit condoléances avec toute équipe là. Et nous avons fait un campé le temps. C'est un Sony qui mourit dans le Kiskeya. Oui. Et nous avons fait un campé à Masso le temps pour nous capables de retourner avec l'autre information, toujours même information dans le journal là. C'est toujours le même dossier ça. Nous avons pour nous permettre de côté mettre Victor Benoît. Qui les mêmes tout est parlé, les mêmes tout est parlé sous par rapport avec amitié que tu as gagné avec ancienne directrice programmation. Et après ça, tu as gagné un schéma délivrance sur moi. Oui, nous avons avec toute notre sérieux à nos auditeurs. Elle débarqué dans la presse, dans la radio en Haïti. Le pays a perdu une plus fidèle petite Lio. Il présentait Liliane comme une monde qui a bataille depuis l'année 1970 pour démocratie en Haïti. Donc, nous prenons invité, écoutez très rapide, Maître Victor Benoît. Donc, je te dis là, Maître Victor Benoît, vive Liliane Pierre-Paul, tout jeune, elle débarqué dans la presse, dans la radio, dans le pays. Haïti perdit une plus fidèle petite Liol, présentait Liliane comme une moune, cap bataille depuis l'année 1970 pour démocratie. C'est tout droit moune qui gagne droit que la parole. Liliane Pierre-Paul, pour compétence. Filo et Latrier qui connaissance et parle qui commençait faire monde parler créole dans radio dans pays dans paysan syndicaliste micro en écouter Victor Benoît travaille une interview spéciale dans micro Jean-Philippe Massé. Son nouvelle qui terrasse moi. Son nouvelle terrible. Oui, moi c'est type de nouvelle. Moi même personnellement, je ne peux pas que j'ai bon temps qui n'a pas eu de sens et qui a souhaité une nouvelle pour ça. Il y a des soins qui ont 17-18 ans, qui est très jeune, mais pour Père Philo, on a avec lui comme jeune stagiaire dans Radio Haïti Inter. Et là, nous sommes montés à la fête en zone, et à des fois, cette mission, et après, nous sommes écartés au pouvoir, ils ne sont pas cassés à Néa. Et directement, nous avons gardé dans les années 74, 73, 76, comme ça. Donc, ce monde est rentré. Et la radio a dit tout et tout poudré, ça avec les styles palis, les déterminations palis, sur les radios haïtiennes, et qui était pour la commune à l'époque, la commune de Beauvais. Et c'est député avec les nouvelles 4 heures, chaque 4 heures. Donc ça, c'est une idée à faire parler. Et le petit soir était pour le petit lot. Quand je dis que ce monde était favori, il a favori de beaucoup de talent. À l'époque, comme jeune journaliste, beaucoup de caractères, c'était les deux caractéristiques de lui-même, et puis également un esprit démocratique, parce que la plus faible cause est contre la dictature. Contre la dictature, bon. Ça fait l'objet
de radio société était en pile menace. Et pour que ça soit terminé avec le novembre 80. Le novembre 80, nous connaissons que diverses études impliquées en tant que journaliste et en tant que fan tout, le premier Miguelier dans Gazette de Salines, c'est l'époque des études boulées, et les gens valpés, etc. Moutio d'en faire la plus de monde de la fêche en tant que pays, comme porte de la police politique. On se joue la pied, on était rendu, oui, le studio, etc. Et on va chercher presque plus dans la coupe à cette heure. En tout cas, on est à dire que on est profane. Et de ça, on n'a pas beaucoup d'intimité. Bon. Et d'appeler à l'heure d'exil, parce qu'on est déjà là. On n'est pas là, pas trop douce pour nous. C'est dans le bon tombé. Et il fait des bombes de divasion au Canada. C'était mon coup de Dieu, mais c'était pas le paradis des restes non plus. Et après ça, il tournait en Haïti. Il était plus long. Continuons toujours la lutte. À propos de l'encre de crise. Cette longue crise. L'audition qui ne finit pas en Haïti. Et pendant que Radio Haïti n'est pas fonctionné, pour lui-même, pendant que l'ancienne équipe Radio Haïti a lui-même sauté Marvel et le crié Radio Piscaya. Et en bas de la villa, ça dit dans son rue d'Avé. Moi, je crié, etc. Je me gâte grâce à. Capacité de gestion, grâce également à la qualité de service humain de la population, qui fait radio avec un grève. Donc, vous gagnez que personnellement, moi-même, Victor Benoît, j'ai perdu avec le diable du grand ami, aujourd'hui, moi, et même collaborer avec cette émission parce qu'il n'est pas écrit les papiers pour bagaille. Font bon râler pour nous la mettre ben sous histoire Liliane, mais l'elle te pas arrête, même si ou même que et ou te nan bon et militant tout nan domaine politique, li même li te nan média, l'elle te pas arrête 17, 18 ans ça, li te toujours fougueux à poser question, proposition. D'ailleurs, c'est un courant et pour petit grandé. D'accord, on a dit que courant populaire là. Et c'est autre monde. Avec un petit lot, c'est créole là-dedans. Et on te paye à tout le monde. Et
parole syndicaliste surtout. Oui, on a rappelé parce que avant époque ça et c'était média, c'était plus français. Oui, oui. C'est ben, syndicaliste la parole, militant droit pour Dieu, dit de pays ça, etc. Et parce que trois secteurs ça, il doit beaucoup aller au secteur politique à tout. Secteur politique à tout, parce que ce sont des produits professionnels qui n'est pas secteur. Et d'après moi-même. Donc je pense que la fait honneur à la presse haïtienne qui débarque une fête qui est vraiment immortelle. C'est du coup pour intervenir avec le grand média commerce, c'est-à-dire le leader dominicain. Voilà, au tap côté, yon extrait longue interview ça, Maître Victor Benoît est accordé avec l'équipe Salle Nouvelle Radio Méga. Côté li tap parlé de Liliane Pierre-Paul, nous Jean nous avons décrit sa programmation radio télé Kiskeya et Jean nous avons qui c'était une icône dans secteur là puisque Met Ben était depuis un jeune âge journaliste Liliane Pierre-Paul Met Ben était qu'on c'est-à-dire si on était qu'on avait une longue interview à amis auditeurs nous te permettre d'écouter une bon parti là-dedans. N'a toujours été sous même dossier ça puisque un pile monde qui a automatiquement yoté tant de nouvelles là qui a été débarqué dans radio Kiskeya. Un pile monde dans différents secteurs qui arrivé dans radio Kiskeya, elle a autant de nouvelles là c'est qu'à pour Magali Komoud et Denis Tolbert Alexis, DJ Jackson Alexis, Assad Volsi, Yuri Latotsu, Paul PNH, Gary Desosiers et DJ Jackson Alexis qui c'est ancien journaliste radio. Mais il fait qu'on est Liliane, c'est ça le relais, une perpétuité politico-médiatique qui devrait être vivant dans quelques pays ici. On écoute DJ Jackson Alexis. Vous pouvez la question principale là, comment on se voit là, avec mes amis qui sont fidèles à ce qu'il y a tout. Nous recevons un appel qui dit, qui ça gagne dans la radio à l'ouest, moi je vais la prier. Je me dis, mais raccrochez-moi à l'île. Je remercie tout le monde dans la radio, parce que la radio, c'est la radio. Moi, il y a une quinzaine de monde qui est dans la radio, pas qu'à jeune personne. Même mon tourné m'appelle, il dit, je connais une nouvelle, je me dis, quelle est la nouvelle? Il dit, Liliane. Pendant quelques secondes, le silence. Il dit, mon tendez Alexis, vous tendez Alexis. Je me dis, ça passe, il dit, Liliane est tombée. Je dis ok. Donc c'est pour ça que je prends une nouvelle là. Bon, comme j'aime d'abord tout à l'heure là, ce n'est pas moi qui m'a parlé de Liliane, qui est directrice moi. Si je résume Liliane Pierre-Paul, je dis, peut-être qu'il y a un autre mot, Liliane, c'est une perpétuité politico-médiatique. Je n'ai pas dit plus que ça. Est-ce que vous avez fonctionné à Liliane Pierre-Paul? Il n'y a pas de jamais rien comme problème. C'est peut-être le plus gros problème de vivre là aujourd'hui. Mais je suis Lili malade, non. Pendant 6 ans, je travaille dans la radio à 2 temps, à 2 reprises là. Même grippé, Lili n'a pas grippé, non. Ça veut dire son monde de fonctionnement à tout instant, qui continue à être debout. Il y a deux mondes qui pensent à un cardiaque, ça t'a lié à un problème politique pays, surtout insécurité à qui a ravagé le pays d'Haïti. C'est médecin qui va opinion sur ça. Parce que moi, je suis malade, je vais en crise, on AVC en dans l'hôpital. Vous savez dire? Donc, c'est médecin qui vous qualifie ça. Mais on ne va pas avec le dernier tout ça, on parle de ce monde qui est émotionnellement affecté. Non, ça n'a pas les deux Haïti. Conjoncture actuelle là, qui est-ce qu'on est satisfait? Personne. Tout le monde est capable de gagner
on regrette parfois que les gens qui doivent même aller plus loin, qui doivent en colère. Tout le monde. C'est notre Haïti. Et là, mal me tourne. Là, toujours. Et Lili, quand tu es fois là, il tourne. En 86, là, il tourne, il dit, et là, la vive. C'est Alma Mater là. Donc, peut-être encore une fois, ce n'est pas le moment pour nous parler de lui. Comment est-ce qu'il y a après de parler de Liliane Pierre-Paul? Nous ne pouvons pas revenir au moment, mais il fallait. Merci à toutes les amis auditeurs, merci à toutes les fanatiques qui te chita suivent et journal Mega Matin sur plateforme Panouan et Voilà Kai. C'était un immense et réel plaisir pour nous être capables de faire voir ça ensemble. N'a pas salué et remercier tous les amis qui t'ont suivi nous dans tous les départements en pays d'Haïti. Les amis qui t'ont connecté nous aux États-Unis, Canada, la France, ou même qui t'ont suivi nous au Mexique, Brésil, Chili. Sans oublier les amis en République Dominicaine qui n'ont jamais raté une édition nouvelle. Les amis Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao et la Barbade. Mais quel que soit à côté sous la Tébini, il y a un grand haïtien qui t'a suivi édition nouvelle. Ça, nous comptons pour nous rentrer la caillou, pour nous être capable d'informer. Et si c'est pour la première fois ou même vous avez suivi nous, nous disons bienvenue et nous profiter d'inviter pour faire partie de grande famille ça pendant que vous avez abonné, activé la cloche notification, comme ça vous avez toujours été informé. Passez une très et bonne et journée et accompagné de et plateforme Paola Voilà Kai, nous avons retourné dans n'importe occasion pour nous capable continuer à informer.